Madrid, Moscou. Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Désastre, l'alignement des astres. À ta place, en façon, des burgatous. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Quel que soit le résultat d'un mouvement social, le simple fait de se mettre en lutte est déjà une victoire en soi. Voilà ce que répète depuis des années, à qui veut bien l'entendre, le journaliste Daniel Mermet. Et il faut dire qu'il est assez tentant de voir une illustration de cette phrase dans le mouvement des Gilets jaunes, soudaine insurrection de la dignité et de l'indignation de couches entières de la population que l'on n'entendait plus depuis des années. C'était donc il y a un an que démarrait ce mouvement inédit et marquant, hors des cadres, hors des formations préexistantes et de bon nombre de clivages traditionnels, avec ses propres codes, son imagerie, son vocabulaire et ses chants, mais aussi ses excès, ses violences et les outrances de certaines de ses franges. Une date anniversaire qui nous permet, en tout cas, comme on aime à le faire dans cette émission, de prendre un peu de recul et de reposer quelques questions de fond. Que nous disent les gilets jaunes de la société française actuelle? Quelle trace va laisser ce mouvement et quel avenir pour cette mobilisation? Bienvenue dans Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et autour de cette table aujourd'hui, Priscilla Ludowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes auto-entrepreneuse en Seine-et-Marne, en grande banlieue parisienne. C'était vous qui aviez lancé la fameuse pétition pour une baisse des prix des carburants, qui a récolté plus d'un million de signatures. Et en face de vous, une autre personnalité qui a émergé dans ce mouvement. Bonjour François Boulot. Bonjour. Avocat et figure donc des Gilets jaunes à Rouen. Vous avez sorti en octobre un petit essai manifeste, La Ligne Jaune. Chez Indigène Édition, La Ligne Jaune, qui est aussi le nom d'une plateforme participative que vous avez contribué à lancer, tandis que je précise d'ailleurs que Priscilla Ludowski, vous lancez ce que vous avez appelé un lobby citoyen. Évidemment, de tout ceci, on va en reparler tout au long de cette émission. Mais pour justement lancer ce numéro, je voudrais, Priscilla Ludowski, qu'on vous réécoute. Mégaphone à la main, c'était le 15 décembre 2018 à Paris, devant l'Opéra. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que, président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Oui, monsieur le président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère et oui, nous n'avons plus d'autre moyen que de faire entendre que d'enfiler humblement ce désormais célèbre gilet jaune. Enfiler ce désormais célèbre gilet jaune, Jacques Sapir, votre édito, un gilet jaune qui pourrait bien entrer dans notre histoire. Oui, tout à fait. Ce mouvement a profondément marqué le paysage politique en France. Et il a durablement aussi imprimé son empreinte sur notre imaginaire. Alors, il faut le rappeler, ce mouvement avait commencé par un refus de l'augmentation des prix du carburant. Et ce fut la pétition lancée en mai 2018 par vous, Priscilla Ludowski, qui l'agrégea. Cette hausse était justifiée au nom de l'urgence écologique. Elle ne semblait pas d'ailleurs très importante. Et pourtant, elle mit le feu aux poudres. Alors, la raison, elle est simple. C'est l'importance de ce qu'on appelle les dépenses contraintes ou les dépenses préengagées, pour utiliser le langage de l'INSEE, dans le budget des ménages, et en particulier des ménages les plus modestes. Et on en avait d'ailleurs parlé ici même avec votre collègue Xavier Tinbeau de l'OFCE. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Les estimations qui sont faites placent la barre de ces dépenses préengagées plus près d'ailleurs de 60% que des 30% qui sont usuellement donnés. Ajoutons d'ailleurs que la proportion est d'autant plus forte, d'après le Crédoc, que les revenus sont modestes. Au bout du compte, ce qui reste pour vivre est très inégal suivant les ménages. On est ainsi au niveau de quelques 80 euros par mois pour le dernier décile le moins riche, alors que l'on est à 1474 euros par mois pour le premier décile. Nous sommes donc dans un rapport de 1 à 18. Et vous voyez donc dans ce mouvement, comme symptomatique de diverses évolutions sociales, Jacques Sapir. Oui, tout à fait. Les changements importants ont eu lieu dans la répartition spatiale de la société et de la population française. Chassés des centres-villes par la hausse des prix, par la métropolisation aussi,
Les Français les plus modestes se sont repliés d'abord vers les banlieues, puis les banlieues les plus périphériques, et maintenant vers ce qu'on appelle des bourgs ruraux ou des petits villages de campagne. Ce ne sont pas des néo-ruraux, ce sont toujours des gens qui travaillent en ville, mais qui vivent à la campagne, parce que c'est la seule manière pour eux d'avoir un logement ou de louer un logement dans des conditions qui ne soient pas trop indignes. Seulement, en territoire rural, en raison de l'offre de transport en commun qui est inexistante ou très mal adaptée aux besoins, il devient impératif de posséder une voiture par adulte. C'est bien l'un des résultats, justement, des statistiques qui ont été collationnées par le Crédoc. Tandis qu'en ville moyenne, il faut, au minimum, une voiture par ménage. On mesure ici la folie qu'il y a à rendre une partie de la population si dépendante de la voiture pour son transport, et l'on comprend pourquoi, pour les couches populaires, le coût d'entretien de la voiture et le coût du carburant peuvent représenter jusqu'à plus de 10% du budget. Autre facteur que vous pointez, l'augmentation des inégalités. Évidemment, et particulièrement depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Quand on regarde les effets de la politique, tant fiscale qu'économique, d'Emmanuel Macron, il est clair que les principaux gagnants ont été les revenus de la finance et du capital, avec un accroissement de près de 10% sur 2 ans, contre un accroissement de 5% pour les salaires et de 3% pour les revenus des entrepreneurs individuels. Le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes traduit donc en réalité la réaction d'une population qui a vu sa situation économique se dégrader fortement dans les 18 mois qui ont suivi l'élection d'Emmanuel Macron. L'importance de la question du pouvoir d'achat explique aussi que le mouvement des Gilets jaunes fut d'ailleurs bien plus féminisé que les mouvements sociaux revendicatifs habituels. Et les femmes ont constitué grosso modo 45% de la population qui se retrouvait sur les ronds-points. Ce chiffre est important. Il est à peu de choses près inconnu dans l'histoire sociale française de ces 40 ou de ces 50 dernières années. Ajoutons aussi que le pourcentage de femmes qui ont été blessées grièvement dans les manifestations est aussi l'un des plus élevés. Est-ce que ça signifie pour vous que ce mouvement des Gilets jaunes, il représente une fracture dans la société française ? Oui, oui, absolument. Et le mouvement, centré au départ sur le problème du pouvoir d'achat, n'a pas tardé d'ailleurs à se préoccuper également de la question politique. La question de la représentativité qu'il a mise à jour est aujourd'hui flagrante. Elle conduit à faire émerger tant la revendication du référendum d'initiative citoyenne que l'exigence d'une forte dose de proportionnel dans le système électoral. Des revendications qui sont d'ailleurs largement soutenues par la population. Alors un an plus tard, quelles sont les conséquences aussi bien politiques que sociales de ce mouvement, Jacques Sapien ? Ce mouvement a très profondément, je l'ai dit, marqué un réveil de la question sociale en France. Et ça explique d'ailleurs le fait que les chiffres des sondages sont à peu près constants depuis janvier dernier. En janvier dernier, le sondage qui avait été fait par le Crédoc, d'ailleurs sur 15 000 personnes, ce qui change avec les sondages faits sur un échantillon dit représentatif d'un millier de personnes, montrait que 56% des Français soutenaient ou comprenaient les Gilets jaunes, alors que 21% étaient en opposition ou ne comprenaient pas le mouvement. Donc un rapport qui était grosso modo de 50 à 20%. Et on retrouve ce chiffre dans le sondage qu'a fait l'Institut Elabe il y a quelques jours. Même chose, il dit 55% de soutien au mouvement. L'inscription dans la durée, justement, de ce soutien de la population française est d'une certaine manière liée aux thèmes qui ont été mis en avant dans ce mouvement. Le gouvernement est aujourd'hui sous la menace constante de nouveaux mouvements sociaux. Il pourra y avoir, sur ce front, c'est évident, des avancées comme des reculs, mais la question sociale est revenue comme l'une des questions centrales de l'espace politique en France. Et ce symbole du gilet jaune, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'il avait été au départ imposé par l'État aux automobilistes avant de devenir ce symbole revendicatif, voire perçu comme subversif. Symbole d'ailleurs intéressant aussi parce que c'est un gilet jaune, c'est ce qu'on porte quand on est en détresse au bord de la route et qu'on attend la dépanneuse. Priscilla Udowski, il faut peut-être justement nous rappeler comment ce mouvement il est passé et grâce à vous notamment, il est passé très rapidement du carburant à l'électricité
l'écologie, aux inégalités et in fine à des revendications politiques, démocratiques. Comment ça s'est articulé, cette espèce d'enchaînement très rapide d'ailleurs? Alors, je dirais que lorsque la pétition qui a été lancée, qui est normalement sur le papier une initiative citoyenne, voilà, beaucoup de gens lancent des pétitions. Mmh. C'est censé être un outil qui permet en fait de pouvoir s'exprimer et ensuite de diriger sa requête vers les institutions. En général, les ministères sont souvent visés par les pétitions. Et en l'occurrence, il n'y a pas vraiment d'outil démocratique. Donc déjà, ça, c'est le premier point, l'outil démocratique qui permet d'alerter les institutions. Donc, à partir de là, lorsqu'on a un thème qu'on veut aborder à travers une pétition, on s'adresse au grand public en plus des institutions. On essaye de lancer un débat dans la société et les sujets concernés par cette pétition, c'était la taxe carbone, mais qui en fait pointait du doigt parce qu'elle était, ce qu'elle représente, le manque de transparence associé, puisqu'on considère que lorsqu'on paye des taxes, on fait confiance et vous dirigerez les recettes là où il faut pour faire ce qu'il faut. Mmh. Sauf que là, en l'occurrence, le questionnement que j'avais, c'était qu'est-ce que vous faites avec, puisque vous êtes censé nous accompagner, nous préparer, en disant que si on paye cette taxe qui a une proportion importante, qui est en plus soumise à la TVA, donc double peine, et qui tendait à augmenter dans les années à venir, était censé financer un accompagnement que moi, je considérais ne pas voir. Pas d'alternative de transport, donc l'accompagnement est où ? Pas de financement ou d'appui envers les projets alternatifs de carburant bio, ou en tout cas plus sain, enfin plus sain, voilà, moins polluant on va dire, et surtout pas de transparence. Pas de transparence, aucun moyen, alors que c'est dans la loi qu'un citoyen puisse avoir un droit de regard sur les comptes publics, on n'a de toute façon en face aucun outil pour en tout cas aucun outil... On ne facilite pas l'accès aux comptes publics, quand bien même ils auraient été consultables et librement consultables. Donc voilà, tout ça a été pointé dans la pétition. Et moi, c'est comme ça que finalement, avec cette série de dominos que vous venez de nous expliquer, on passe du prix à la pompe au RIC. Pourquoi le RIC, à un moment donné, est arrivé? C'est parce qu'on se dit, mais quel outil démocratique on a à notre possession pour se faire entendre? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je me souviens quand on a rencontré avec Éric Drouet, le ministre de la Transition écologique, je lui ai dit, mais vous avez une veille qui au sein du gouvernement qui justement fait attention à toutes ces pétitions. Vous avez des alertes qui, au bout d'un moment, lorsqu'il y a un certain nombre de signatures, qu'est-ce que vous faites? Et il n'y a pas de veille, il n'existe rien du tout. Donc c'est sûr que lorsque les outils démocratiques et les associations qui défendent les outils innovants en matière de démocratie, parler du RIC, parler des assemblées, etc., forcément ça interpelle. Mais justement, alors là vous parlez d'outils innovants, mais traditionnellement c'est le rôle des corps intermédiaires. Quel est votre rapport aux Gilets jaunes à tout ceci? Parce qu'on voit que ça a un petit peu débordé les corps intermédiaires, ce mouvement. Ouais. Oui, alors c'est sûr que ça évolue en dehors des corps intermédiaires, puisque les deux principaux qui me viennent en tête, c'est donc les partis politiques, voilà, en qui moi j'ai senti, et j'en fais partie, une forte défiance. Voilà, vis-à-vis des partis politiques, puisque j'ai déjà entendu en plateau, oui mais bon, vous votez, c'est suffisant, mais non, voter c'est pas parce qu'on vote qu'on n'a pas le droit de regard, qu'on n'a pas le droit de se questionner, qu'on n'a pas le droit d'enclencher un débat public et qu'on n'a pas le droit de suggérer une remise en question de la trajectoire. Je veux dire, on n'est pas censé juste voter et se taire ensuite, quoi. C'est tout à fait normal que lorsque en face on est un mouvement qui revendique certaines choses, qu'on ait des moyens d'expression, sauf qu'on n'en a pas. Mmh. Et on ne facilite pas l'accès. Vous disiez les corps intermédiaires, les premiers c'est les partis politiques, les seconds les syndicats. J'imagine les syndicats, voilà. Votre rapport aux syndicats d'ailleurs, oui. Moi j'ai jamais eu de carte ni d'adhérent, j'ai jamais adhéré à un parti ni à un syndicat, mais j'associe les syndicats aux luttes salariales, même si la dimension sociale en fait partie forcément, et puis les dimensions écologiques, enfin tout fait partie de ces luttes-là, mais ils sont principalement axés sur les conditions de travail. Donc je pense que c'est pour ça, à un moment donné, j'entendais, oui, ça a échappé aux syndicats. Moi, je ne considère pas que ça leur a échappé, parce qu'il y a des luttes, les personnes syndiquées luttent depuis des années au sein de leur secteur, mais seulement c'est un mouvement qui est venu du citoyen lambda, en fait, qui n'est pas forcément syndiqué et qui avait des choses à dire, tout simplement, et pas au sein de son travail, mais en tant que quelqu'un qui fait partie de la population. Mais peut-être, François Bouleau, peut-être que jadis, le citoyen lambda était syndiqué, justement. Comment vous l'expliquez? Comment vous l'avez vécu, tout ceci?
Sur la question des syndicats, effectivement, on sait que le taux de syndiqués s'est effondré au fil des années. Mais je crois que dans la période récente, ils avaient surtout fait la preuve de leur inefficacité, notamment au moment de la réforme du Code du travail, qui a été quand même une attaque sur les protections des salariés absolument inouïe, et un vrai recul qui a fait s'effondrer d'ailleurs les dossiers prud'homaux, parce que tout simplement, les salariés aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'ancienneté, n'ont même plus intérêt à faire une procédure. La procédure leur coûtera plus cher que ce qu'ils pourraient récupérer, et c'est dans l'hypothèse où ils gagneraient leur procès. On avait vu aussi qu'au moment de la inefficacité grève, ou bien ils ont été face à un pouvoir qui ne voulait rien entendre. Non mais ça, il est certain que le pouvoir ne veut rien entendre. Mais pendant la grève SNCF, on a vu quand même les syndicats appeler à des dates ponctuelles, ici ou là, jamais ensemble, jamais coordonnées. Enfin bon, en leur demandant un truc simple, tout le monde a la même idée de, quand même depuis des mois et des mois, c'est de dire, moi, vous appelez tout le monde au même moment et avec un mot d'ordre de grève illimité. Et puis après, bon, ça prend ou ça prend pas, mais au moins on sait que si ça prend, on est dans un rapport de force qu'on va pouvoir gagner. Et les gens en avaient marre là de se mobiliser à des dates différentes. Et je pense que c'est ça qui a créé la défiance vis-à-vis des syndicats et le mouvement des Gilets jaunes où finalement les corps intermédiaires ne faisant plus leur office, les citoyens ont décidé de se mobiliser par eux-mêmes et les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans cela parce que c'est ce qui a permis aux gens de se coordonner et de diffuser les informations. Après, vous disiez que le pouvoir n'entend rien, effectivement, pour une raison. C'est la question. Pour une raison simple, c'est que les élites savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. C'est ce dont elles sont persuadées. Bon. Et je pense qu'effectivement, l'intérêt pour le RIC, qui s'est propagé au bout d'une quinzaine de jours dans le mouvement et qui a très vite séduit les Gilets jaunes, je pense que ça part d'un constat simple, en fait. C'est de se dire, mais en fait, ça fait 40 ans qu'on vote à droite ou à gauche, et ça fait 40 ans, en fait, qu'on est trahi par tous nos représentants de droite comme de gauche, parce qu'on voit bien que notre situation, eh ben, elle est de plus en plus difficile, elle est de plus en plus compliquée. On est déclassé, en fait, au fur et à mesure. Donc, en fait, on doit avoir des gens, quand même, qui ne poursuivent plus tout à fait l'intérêt général. Et quand on voit la politique d'Emmanuel Macron, qui a donné des milliards et des milliards aux ultra-riches de ce pays, qui par ailleurs n'a fait que baisser les APL, les allocations, qui a cassé le code du travail, qui fait des privatisations sans avoir absolument aucun argument, que ce soit ADP, Française des Jeux, les barrages hydrauliques, etc., etc. Toutes ces infrastructures ont été financées par les Français et ils ont tous en mémoire la privatisation des autoroutes en 2005. Donc tout le monde a compris qu'on s'est fait rouler dans la farine à cette occasion. Et quand j'entends Bruno Le Maire qui nous dit par exemple qu'il privatise la Française des Jeux pour que ça devienne l'entreprise de tous les Français, enfin là on se moque vraiment du monde, hein. S'il veut que ce soit l'entreprise de tous les Français, bah, c'est déjà le cas en fait, il n'y a pas besoin de privatiser. Quand c'est un bien public, ça appartient à tous les Français. Mais je crois que le RIC, c'était ça, c'était de se dire, de toute façon, on nous explique que nous, on n'est pas assez performants pour faire de la politique, mais quand on voit le travail qu'eux, ils ont réalisé, franchement, on ne pourra pas faire pire qu'eux, donc autant qu'on ait le RIC. C'est assez amusant parce que dans ce livre, La Ligne Jaune, vous reprenez le terme de bloc bourgeois, qui est notamment utilisé par des gens très à gauche avec une filiation marxiste comme Bruno Hamal, Stefano Palombarini qui a écrit L'illusion du bloc bourgeois. Vous avez pourtant l'air d'une tradition assez gaulliste. Un mot là-dessus éventuellement, parce que c'est ça que vous décrivez en fait. Oui, en fait, moi j'entends le mot bourgeois au sens de François Bégodeau dans Livre Histoire de ta bêtise, qui définit le bourgeois vraiment comme la pensée conservatrice. L'idée que c'est les personnes qui pensent être les gagnantes des règles du jeu, c'est pas toujours le cas, mais elles le pensent et donc elles ne veulent surtout pas qu'il y ait un changement de politique. Et donc c'est ce qui explique qu'en fait on ait un soutien à 20-25% pour Emmanuel Macron, toutes ces personnes qui ont identifié Emmanuel Macron comme le représentant de leurs intérêts, et on a donc une fracture qui s'est creusée pendant le mouvement parce qu'Emmanuel Macron l'a approfondi entre ces 20-25% et puis les 75-80% de Français. Et c'est pour ça qu'on voyait que le soutien au mouvement des Gilets jaunes, au début il était compris entre 75 et 80%. Ah oui, en fait on a trois quarts des Français à peu près qui rejettent totalement c'est la politique qui est menée par Emmanuel Macron, pour les raisons que Jacques Sapir indiquait, c'est-à-dire que vous avez une politique qui a aggravé la situation d'un très grand nombre de Français, soit pour les plus précaires. On compte maintenant 500 000 pauvres de plus en 2018, on est donc à 9 300 000 désormais, soit pour les classes moyennes qui ont vu leurs impôts directs ou indirects
augmenté, et alors que de l'autre côté, on faisait les cadeaux avec la réforme de l'ISF, le CICE, la flat tax, l'exit tax, bon, tout ça évidemment devenait insupportable. Et il faut ajouter un dernier élément, c'est que je pense que c'est ce qui a mis le feu aux poudres véritablement, c'est la forme d'Emmanuel Macron, la manière avec laquelle il s'est exprimé. Jamais les Français n'avaient eu affaire à un président qui était aussi condescendant, méprisant, humiliant même. Il jouissait presque d'aller dans la rue pour aller écraser des personnes qui évidemment n'ont pas de connaissances techniques et leur expliquer la réforme de la CSG. Bon, ça a produit une grande colère et pour certains même quasiment une haine, hein, vis-à-vis du président de la République. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a été un moteur très puissant. Avec parfois même un aspect très carnavalesque, etc. Tout à fait, ça a été un moteur très puissant de la mobilisation aussi. Jacques Zabian, vous vouliez réagir sur ce débordement des corps intermédiaires. Il faut dire aussi que dans la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, il a montré assez peu de considération pour les syndicats notamment, ce qui sans doute n'a pas dû aider dans tout cet enchaînement de début de quinquennat. Oui, certainement. Mais maintenant, il faut quand même rappeler une chose. Les grands mouvements sociaux en France, les mouvements récents, qu'on regarde le démarrage de la grève de 1936, de la grève générale de 1968, de la grève de 1995, tous ces démarrages se sont faits hors syndicat. Mmh. Et ça, c'est un point important. En réalité, un mouvement démarre le plus souvent en dehors des cadres établis. Après, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que les syndicats sont capables de comprendre le signal qui leur est envoyé et de revenir dans le mouvement d'une certaine manière pour l'encadrer ? Ça a été le cas en mai 68, hein, pendant deux jours. La grève, elle s'est développée comme une espèce de feu de brousse, comme un feu de forêt. Et ce n'est qu'après deux jours que la CGT a commencé à développer tout son discours. Alors, bon... J'étais jeune militant à ce moment-là. On disait beaucoup, oui, syndicat trahison. Les syndicats ont été d'une certaine manière dans leur rôle. Ils ont négocié, ils ont obtenu d'ailleurs des choses importantes dans les accords de Grenelle. Même chose en 1995. Ce qui est différent avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas eu cette réaction des syndicats. C'est pas le fait que les syndicats n'ont pas été présents au démarrage. Ils ne sont jamais présents au démarrage. Mais c'est qu'ils ne sont pas venus prendre d'une certaine manière le contrôle. Beaucoup de retard, ils ont déclaré leur solidarité, oui, mais il y a plusieurs mois de retard. Oui, il y a eu un tel retard que ce retard a été, en un sens, irrattrapable. Et en tout cas, pardonnez-moi juste une précision, concernant la hiérarchie, Montreuil, comme on dit à la CGT, c'est-à-dire le niveau confédéral, parce que vous allez me contredire si je me trompe, mais à la base, on a énormément, avec les Gilets jaunes, de Gilets rouges, énormément de militants de base de la CGT syndicats. Il faut faire attention à ça. Il faut à un moment donné que la confédération, autrement dit l'appareil syndical, s'engage. Et si ce n'est pas directement la confédération, que des syndicats de branche s'engagent. Or, que ce soit au niveau de la confédération générale ou au niveau des grandes fédérations, il y a eu en réalité très peu de réactions, ou ces réactions ont été extrêmement tardives. Et ça nous donne un signe, effectivement, quant à la décrépitude de ces fameux corps intermédiaires, décrépitude dont d'ailleurs Emmanuel Macron a été l'un des instruments. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait que les syndicats n'ont peut-être pas trouvé les formes adaptées de réponse, c'est aussi le fait qu'ils se sont heurtés à un pouvoir qui les méprisait très profondément. Deuxième chose, comme pour les maires. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans ce rapport à ce fameux bloc bourgeois, vous savez, il y a une phrase du général de Gaulle qu'on cite assez peu, mais qui est tout à fait intéressante. On lui demandait, comment vous trouvez le champ politique ? Je crois qu'il fait cette réponse fin 58 ou début 59. Et il dit, je n'aime pas les communistes parce qu'ils sont communistes. Je n'aime pas les socialistes parce qu'ils ne sont pas socialistes. Et je n'aime pas les miens parce qu'ils aiment trop l'argent. Et donc, ça dit déjà des choses qui sont en réalité en profondeur dans la société française et que l'on a vu se développer à partir des années 80-90, cette espèce de d'hubris de la finance qui saisit une partie des élites françaises, et y compris d'ailleurs une partie des élites socialistes, et qui là se coupe complètement du reste de la population. On parle beaucoup des quartiers qui auraient fait sécession, mais la première des sécessions, c'est la sécession des élites. Alors, gilets rouges, gilets jaunes, etc., cette possibilité de créer
que sais-je, de nouveaux corps intermédiaires innovants. On va évidemment y venir avec les diverses organisations auxquelles vous participez. Un mot d'abord sur justement ce symbole du gilet jaune. Les auditeurs qui nous écoutent avec la couleur aujourd'hui voient que ni l'un ni l'autre d'entre vous ne portez plus le gilet jaune. J'avais entendu François Boulot dire ici même chez mon camarade Fabien Bouzanquet que le gilet était sali. Votre avis, Priscilla Ludowski? Moi, il y a deux choses. C'est que, je réponds souvent que c'est pas le gilet qui paie mes factures. Qu'on s'attache pas à ce qu'on porte sur soi, mais au fond. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu souvent à le cacher dans ma botte pour entrer en manifestation, parce que c'est devenu l'ennemi, le gilet. C'est-à-dire que même la couleur est devenue l'ennemi. Je veux dire, même quand le président se déplace, on modifie les gilets des personnes qui sont sur leur lieu de travail, on leur demande de mettre du orange. C'est vraiment devenu quelque chose qui le débecte. Qui est vu comme subversif, quoi. Ouais, carrément. Et c'est sûr que voilà, j'ai eu souvent à le retirer en début de manif pour sortir. Même c'était tellement ridicule que pour passer des barrages de CRS pour aller retirer des sous, aller manger et revenir, il fallait retirer le gilet. Il y a des collègues gilets jaunes qui ont dû enlever leurs vêtements jaunes. Enfin, je veux dire, on tombait vraiment dans le ridicule. Donc voilà, au bout d'un moment, pour circuler librement et puis pour ne pas être associé et toujours avec une étiquette à coller chaque samedi, une nouvelle étiquette collée sur le mouvement, ne pas circuler avec le mouvement, c'est dire aussi le gilet, c'était qu'un moyen d'alerter, parce que par la couleur, parce que ça représentait au début l'automobiliste et puis l'urgence associée au gilet et à l'outil qu'on est censé avoir dans le véhicule. Mais surtout, c'est le citoyen qui est dehors. C'est ça qu'il faut retenir. François Boulot, oui. Moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Priscilla, et je pense que véritablement, le jaune rend fou le pouvoir exécutif, à telle enseigne que le 14 juillet, les instructions étaient données aux forces de l'ordre d'aller éclater les ballons jaunes que les manifestants étaient venus apporter pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron. Après, je crois que sur la question de gilet, pas gilet, il faut en revenir aux fondamentaux. Quel est l'objectif du mouvement ? Changer la politique dans ce pays. Qu'enfin, il y ait une alternative, que Emmanuel Macron change de cap, ou qu'il y ait un changement de politique, peu importe le moyen, mais qu'on arrête le massacre, qu'on arrête de précariser les gens. Donc, si pour ça, il faut enlever le gilet, parce que c'est un frein pour d'autres citoyens qui ne se sont pas mobilisés sur le terrain. Mais on voit que durant le mouvement, en parallèle, des foyers de contestation sont nés ici ou là dans la société française. Les enseignants se sont mobilisés, les personnels de santé se sont mobilisés et se mobilisent encore, les pompiers sont également mobilisés. Bon, vous avez plein de corps de la société qui se mobilisent. Les urgentistes, les médecins. Exactement. Et les avocats également contre la réforme des retraites. Et donc, et les professions libérales en général, et les pilotes de ligne également. Bon. Donc, ces gens-là n'ont pas revêtu le gilet. Donc, je crois qu'il est temps de dire aujourd'hui, bon, écoutez, si vous voulez mettre le gilet jaune, vous mettez le gilet jaune. Mais si vous avez un gilet rouge ou vert ou pas de gilet du tout, de toute façon, on s'en moque. Maintenant, il est temps que ce soit les citoyens, le plus largement possible, le peuple, ou en tout cas dans sa grande majorité, qui se mobilise pour dire stop au massacre. Et je pense que la fenêtre de tir, ce sera véritablement le 5 décembre prochain, parce que un appel à la grève est lancé par des secteurs stratégiques, les transports, RATP, SNCF et transports routiers. Et je crois qu'il faut se saisir de cette occasion avec un objectif bien précis. Il n'est pas nécessaire que tout le monde se mette en grève. Vous voyez, quand les avocats ils se mettent en grève, ils pénalisent leurs clients et eux-mêmes. Donc ça ne sert pas à grand-chose. On ne pénalise pas l'État, ni l'économie. Il faut que les secteurs stratégiques soient en grève et il faut que, le plus largement possible, ils soient soutenus par la population. Ce qui a donné le souffle au mouvement des Gilets jaunes, ce qui a donné sa force, c'est en partie le fait qu'il y ait un soutien pendant des semaines de plus de 70%. Donc il faut qu'en quelque sorte, les gens, par procuration, mènent le combat en donnant à ceux qui véritablement ont un impact sur l'économie d'aller le porter. Et que dans ces conditions, ces gens-là ne s'arrêtent pas pour leurs avantages catégoriels qu'ils pourraient négocier, mais se battent effectivement pour tout le monde, parce qu'il y aura un soutien et une coopération en quelque sorte dans le cadre du mouvement de grève. Symbole donc important, c'est ce que vous nous dites, mais qui a peut-être fait son temps aussi tactiquement. Je mentionnais ça parce qu'également c'est quelque chose qui a essaimé aux quatre coins du monde, y compris en Russie, on en avait parlé ici même récemment. Au Chili, et dans toute une série de pays. Le mouvement chilien a été un mouvement où on a porté le gilet jaune. Et qui donc aujourd'hui nous mènerait, nous dites-vous, à autre chose. Il faut peut-être nous expliquer ce que c'est que cette ligne jaune, François Boulot. Oui, moi, là en fait je viens de parler sur l'objectif à court terme.
briser le quinquennat d'Emmanuel Macron par un blocage de l'économie, par la grève. Voilà. Arrêter le massacre, au moins stopper les réformes, et en particulier la réforme des retraites. Ça veut dire quoi, briser le quinquennat, ouais. Ah, mais ça veut dire qu'il ne puisse plus passer une seule réforme. C'est-à-dire que si on réussit un vrai mouvement de grève et qu'il ne peut pas passer sa réforme des retraites, il est paralysé, en quelque sorte. Après, au moins, bon, on respire un peu. Voilà. La situation ne va pas s'améliorer, mais elle va cesser de s'empirer. Puis ensuite, il y a l'objectif à moyen, long terme, c'est 2022. C'est faire en sorte d'échapper au duel Macron-Le Pen qui s'annonce, parce que je pense que trois quarts des Français ne veulent pas de ça. Et le projet de la ligne jaune, c'est d'essayer de mettre en réseau les gens et pour tenter de les politiser par tout moyen, éveiller les consciences. C'est pour ça qu'on a le projet de développer un module de vote. Ce sera une sorte de référendum d'initiative citoyenne numérique. Ce que l'on souhaite, c'est qu'en 2022, les conditions de l'électorat soient modifiées pour que les critères de vote soient des critères rationnels, des critères pertinents, des critères d'intérêt général. Moi, j'ai été fou quand des gens m'expliquaient qu'ils avaient voté pour Emmanuel Macron parce qu'il était jeune et dynamique. Ouais, ça ne me paraît pas être des critères tout à fait pertinents quand on vote à l'élection présidentielle. Parce que vous êtes aussi jeune et dynamique, c'est pour ça que... vous voyez, il faut que les gens s'emparent des problématiques sur l'économie, de la fiscalité, de l'Union européenne, de l'écologie. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a que des gens qui ne savent pas expliquer. Et nos politiques, ils sont spécialistes en la matière, ils vous parlent avec des sigles, des pourcentages, etc., mais qui ne veulent rien dire, ils font tout pour que vous ne compreniez pas. En réalité, tout peut être compris, et le but est donc de créer un outil numérique qui permette aux gens de débattre et donc de progresser tous ensemble. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous recréer un parti sous une forme peut-être renouvelée, voire éventuellement un mouvement 5 étoiles ? Alors, il est certain que la ligne jaune n'aura pas vocation à devenir un parti politique, parce que précisément... je sais très bien que dans les Gilets jaunes, il y a des gens qui sont syndiqués, il y a des gens qui sont militants de tel ou tel parti, ou il y a des gens en tout cas qui aiment bien voter pour tel ou tel parti. Donc pour essayer de créer un espace citoyen de débat, il faut que chacun se sente libre de venir sans trahir sa petite chapelle. Peut-être qu'un parti politique pourrait être créé sur la base du mouvement des Gilets jaunes, peut-être, mais on en est encore très loin en réalité, au niveau de la structuration où on se situe aujourd'hui. On en est loin, et en tous les cas, ce ne sera pas la ligne jaune. C'est-à-dire que si quelque chose devait se créer, ce sera à côté de la ligne jaune, parce que ce sera un autre projet. Le projet de la ligne jaune, c'est quelque chose de citoyen et de politiser au maximum les gens sur les idées. Voilà. La politique, c'est d'abord les idées avant les élections. Et vous avez été, oui, l'un comme l'autre, des partis vous ont approché. Apparemment, l'un comme l'autre, vous avez refusé toutes ces propositions. Priscilla Ludowski, vous vous lancez le lobby citoyen. Il faut nous expliquer ce que c'est que cet appareil. Oui, avec quelques autres camarades, on lance ce lobby citoyen, ce qu'on qualifie lobby citoyen. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'on n'est pas, au sein du mouvement, la leçon qu'on en tire, c'est que important de s'organiser, c'est une évidence. Là, je pense que personne ne s'attendait à ce que le mouvement dure aussi longtemps. Et donc voilà, on sent que sur la durée, ça, le fait de ne pas avoir de structure, ça pèse. Ce qui ne pèse pas lorsqu'on milite deux semaines, une semaine. À côté de ça, à travers toutes les manifestations qu'on a pu faire partout, on se rend compte que beaucoup de gens œuvraient déjà. Ils ne sont pas nés au moment du mouvement des Gilets jaunes. Hein. Ils œuvraient déjà sur des luttes locales, et très, très axées souvent sur l'environnement. En tout cas, très intéressés par l'environnement dans lequel ils vivent au quotidien. Et donc, à côté de ça, ce qu'on essaie de faire, c'est un réseau, voilà, d'antennes départementales qui viendraient lutter en ayant un appui national. Parce qu'aujourd'hui, les luttes locales sont intimidées, sont isolées, et ce sont des lanceurs d'alerte qui sont menacés, plus ou moins en fonction des alertes. Et l'idée, c'est qu'on ait ce réseau qui puisse dire, voilà, on est un réseau de lobby citoyen organisé en département, et si une lutte locale a besoin de soutien, elle est soutenue par le réseau. Et à l'inverse, quand c'est une lutte d'envergure nationale, la force du réseau fait, contre-pouvoir, c'est un peu ambitieux, mais fait lobby auprès du gouvernement et porte plus haut que ce qu'on a pu faire au niveau du mouvement, parce que voilà, il n'y a pas d'organe reconnu, le gouvernement nous méprise, on n'est rien, on n'est pas, il n'y a pas de représentants, ils n'appellent personne. On a fait un courrier pour remettre officiellement les revendications, pour dire on acte dans le temps la remise officielle de revendications suite à une consultation citoyenne qui a eu lieu sur une plateforme. On sait pertinemment que voilà, c'était pas son intérêt de nous recevoir, mais ça prouve qu'il y a un mépris et qu'il n'y a pas de regard face à ce qui a été produit dans cette plateforme, qui a recueilli quand même 1 million de votes, hein, je rappelle, sur 25 000 propositions, sur 30 jours uniquement. Et justement, pourquoi reprendre ce terme de lobby qui a plutôt mauvaise presse actuellement, ouais. Justement, parce qu'on associe souvent le lobby à quelque chose de mauvais, parce qu'aujourd'hui, les grands groupes d'influence qui dirigent les lois, les projets de loi et tout ce qui va bien, on décide de ce qui se passe dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui,
faut qu'on sache que les politiques travaillent pour les citoyens et c'est pas l'inverse. Le vrai lobby, c'est la population. C'est ça. Et c'est en ça que c'est important et c'est le message est à rétablir, je trouve. Oui, on voit rarement les riches manifester pour demander la suppression de l'ISF. Alors, on va continuer de parler de ces questions de perspective politique. Et notamment, vous avez mentionné la polarisation de la vie politique française, ou en tout cas des résultats des élections, avec ces taux d'abstention immenses entre le Front National, le Rassemblement, pardonnez-moi, National, et La République En Marche. Et on a également beaucoup glosé sur le fait que les Gilets jaunes voteraient pour ce Rassemblement National, ou en tout cas que ce mouvement le favoriserait. Voici ce qu'en disait le démographe Emmanuel Todd. C'était sur le plateau de C'est Politique sur France 5 en mai dernier. Écoutez. Le Front National exprime une logique de fausse conscience xénophobe, de gens opprimés, populaires, etc. Le mouvement des Gilets jaunes exprime un retour au principe de lutte des classes. Donc même s'il y a des superpositions à un moment donné dans les catégorie touchée, il doit y avoir superposition, mais c'est qu'en fait, il y a un affrontement entre les principes de lutte qu'exprimaient les Gilets jaunes et ce qu'exprime le Front National. À terme, dans la durée de l'histoire, le mouvement des Gilets jaunes est une menace pour le Front National. À terme, les Gilets jaunes sont une menace pour le Rassemblement National, nous dit Emmanuel Todd, qui juge par ailleurs Jacques Sapir qu'il y a un vaste espace politique à occuper entre l'REM et le RN. Oui, alors ça c'est absolument indiscutable. Sur le constat qu'il fait, c'est évident, ou plus précisément, il faut dire, un Rassemblement National qui resterait justement sur purement sa problématique xénophobe, anti-immigré, se trouvera nécessairement, à un moment donné, dépassé. En tous les cas, il sera dépassé par toute une série de mouvements. Il faut quand même savoir que la question de l'immigration, même si c'est dans des représentations qui sont très faussées, est une question qui est présente dans la société française et qui est présente dans l'esprit des gens. Mais l'important, c'est de savoir, est-ce que un parti, que ce soit le Front National ou un autre, comprendra qu'il y a autre chose et que cette autre chose est essentiel, c'est effectivement le renouveau des luttes sociales, ce que j'ai appelé moi cette espèce de retour de la question sociale ou de retour de la lutte des classes. C'est grosso modo la même chose, bon, ou pas. Et donc là se joue en réalité la question de savoir est-ce que l'on peut voir émerger une force politique réellement populiste, non pas des gens qui se prétendent populistes mais qui ne le sont pas, qui sont des gens qui sont plutôt sur des thèmes xénophobes. Est-ce qu'on peut revoir l'émergence d'une réelle force populiste ? Et on sait qu'aujourd'hui, dans différents pays, ces forces populistes peuvent avoir des poids, des importances considérables. En Argentine, c'est en réalité le fonds de commerce du péronisme. Le péronisme est essentiellement un populisme, bien sûr, dans le cadre latino-américain qui est extrêmement particulier. C'est bien ce mouvement populiste que l'on a vu s'exprimer au Chili, et plus proche de nous, c'est bien ce mouvement populiste qui, aujourd'hui, est en Italie et qui est l'objet, je dirais, de tensions importantes. Aujourd'hui, ce populisme va plutôt dans le sens de la Lega de Salvini pour des raisons de trahison de ce qui était son appareil logique. Bon, et on voit que le Movimento Cinque Stelle, le mouvement 5 étoiles, est en train de s'effondrer électoralement, mais là encore, il n'est pas dit que cela dure, et d'une certaine manière, ça obligera la Lega à revoir une grosse partie de son discours. Donc oui, d'une certaine manière, c'est bien aujourd'hui la question essentielle qui est posée en France, structurer cet espace politique, structurer ce mouvement populiste. Et une dernière chose, l'un des apports du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il a précipité le recadrage de ce qu'était le macronisme. Emmanuel Macron, quand il s'est présenté au début de 2017, se présenter comme ce qu'on appelle le parti du mouvement. D'ailleurs, pas pour rien qu'il a appelé son parti En Marche. Hein.
Et ça, ça fait référence, dans les cadres de la science politique française et même dans l'imaginaire, à une forme de progressisme. J'avais personnellement pensé qu'il s'agissait d'une imposture et que Macron, comme François Fillon, renvoyait beaucoup plus à des formes conservatrices de l'imaginaire et des formes conservatrices du pouvoir. C'est-à-dire le parti de l'ordre qu'on oppose au parti du mouvement. Et là, ce que le mouvement des Gilets jaunes a déjà obtenu, parce que ça c'est un acquis du mouvement des Gilets jaunes, c'est que Emmanuel Macron a été obligé de se présenter comme l'incarnation du parti de l'ordre. Autrement dit, il a gagné un nouvel électorat, mais il a perdu une grosse partie de son ancien électorat. Et ça, c'est, je dirais, une mutation politique qui s'est faite dans les quelques mois du mouvement des Gilets jaunes. Ça s'est fait, grosso modo, de fin octobre 2018 au printemps 2019. C'est le moment où on a vu que, d'une certaine manière, le basculement était complètement acté. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, à propos du Rassemblement national, il faut se replonger également dans le travail du démographe Hervé Le Braz, qui travaille comme beaucoup de démographes qui travaillent beaucoup sur les cartes, et qui a très bien montré, je crois, que la carte des mobilisations des Gilets jaunes n'était pas la carte du vote du Rassemblement national, mais la carte des territoires les plus délaissés par les services publics. De nouveau, cette question de la voiture, c'est là où les gens sont le plus loin de la pharmacie, de la poste, etc. François Bouleau, une réaction à tout ce qui a été dit. Ouais. Oui, je voudrais dire que le mouvement des Gilets jaunes, en fait, il a replacé au cœur du débat la question de la souveraineté du peuple. C'est-à-dire qu'il fallait que les dirigeants écoutent le peuple. Les dirigeants ne sont pas nos employeurs, ils sont nos employés. C'est nous qui décidons, nous le peuple. Et alors vous avez passé un extrait d'Emmanuel Todd, et donc il a mis en lumière un paradoxe. Dans la Ve République, le président est sans doute le chef d'État le plus puissant du monde occidental. Et pourtant, il est absolument impuissant dans le cadre des traités européens. C'est-à-dire que les traités ont fixé une certaine politique économique et vous ne pouvez pas faire d'autres politiques. Ça veut dire que vous n'êtes pas véritablement en démocratie puisque vous n'avez pas les marges de manœuvre pour orienter différemment la politique dans un sens ou dans un autre. Et Emmanuel Macron, il a fait ce diagnostic. Moi, j'ai lu son livre Révolution. Il a parfaitement fait le diagnostic de ce que la construction européenne, elle est bloquée depuis 15 ans et qu'il faut d'une manière ou d'une autre sortir la situation qui s'est enlisée. Mais sa stratégie était la suivante. Il disait, je vais faire les réformes structurelles qui me sont demandées par l'Allemagne. Il faut entendre politique d'austérité, privatisation, réduction de la dette publique, réforme du code du travail, etc. etc. Et en retour, l'Allemagne aura confiance et acceptera un budget de la zone euro, parce qu'en l'état, l'euro ne peut pas fonctionner, acceptera un protectionnisme au niveau européen, acceptera de revenir sur la directive des travailleurs détachés. Bon, sauf que le constat, c'est que la réponse de l'Allemagne, ça a été non à absolument toutes les propositions d'évolution d'Emmanuel Macron. Et donc, on en est là, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, il refuse de changer de stratégie. Il a caressé l'Allemagne dans le sens du poil depuis 2 ans, mais pour l'instant, il ne veut pas, alors qu'il le faudrait, montrer les crocs, en fait, maintenant à l'Allemagne, pour dire, bon, écoutez, ça suffit, nous, ces règles-là, on ne peut pas continuer dans les règles actuelles. Il a peut-être commencé à le faire. Il a donné une interview dans The Economics il y a peu de temps en contestant la règle des 3% du déficit Absolument, public. Oui. Mais le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il dit des choses, mais les actes souvent vont dans le sens contraire. Donc j'ai peu d'espoir, malheureusement, qu'il change de stratégie. Et il se condamne donc à l'impuissance politique et donc à la colère grandissante de plus en plus de citoyens parce que le déclassement va toucher de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, il touche même une partie des classes moyennes supérieures, les pharmaciens, les architectes et une partie des avocats également, par exemple. Priscilla Ludowski, sur ces questions de perspectives politiques, à votre avis ? Ce que je pense, c'est qu'on a un tournant où les consciences s'éveillent. Et je pense qu'ils l'ont très bien compris. Et que Macron l'a très bien compris aussi. Parce que très rapidement, pour éviter que les forces s'allient face à la menace qu'il avait pressentie, il a tout de suite opposé tous les profils qui luttaient. Il avait déjà méprisé les maires, les syndicats. Donc voilà, ça c'était une chose. Quand la population s'est soulevée, il a identifié qu'il y avait la question de la justice sociale, la fiscalité. Hop, il a mis de côté les écolos. Vous êtes anti-écolo, vous êtes anti-ceci, vous êtes anti-cela. Ils nous ont collé tellement d'étiquettes que c'était pour mettre la population à dos. À côté de ça, il a très bien compris qu'on remettait en question non pas seulement sa politique et puis toutes les erreurs successives qui avaient été faites par tous les gouvernements, mais
la remise en question est portée sur le système de représentativité. La refonte du système politique, et ça, quand il l'a compris, il a tout de suite rejeté tout ce qui avait été proposé dans le volet démocratique de la plateforme du vrai débat. Et dans son discours, il a tout de suite dit le vote blanc, j'en veux pas, le RIC, j'en veux pas, c'est antidémocratique. Tout ce qui concernait le volet démocratique, il l'a complètement rejeté parce qu'il sentait qu'il y a quelque chose qui pourrait lui échapper si jamais il accordait des outils qui permettaient aux gens de progressivement s'approprier des idées, être plus politisés, comme dit François, et que du coup, c'est une vraie menace. C'est une vraie menace qu'à un moment donné, on part d'une pétition, on arrive à un mouvement social, mais l'idée, c'est que si ce RIC arrive et que quelqu'un arrive à mettre dans le débat public quelque chose qui ne l'arrange pas, c'est pour ça que tout de suite, ils ont dit, attention, ils vont remettre la peine de mort, attention, ils vont remettre en question le mariage pour tous, et tout de suite, il a instauré, avec le grand débat qu'il a orchestré, et avec les petites pics de communication qui ont été bien orchestrés, que ce soit par Griveaux quand il était là, ou par Castaner, tout a été fait pour effrayer immédiatement la population sur ce qui était en train de se passer, parce que je pense qu'ils l'ont très bien analysé. Là où on répond à chaque fois, oui, il est dans le déni, il est dans le mépris, il ne nous écoute pas, il ne comprend pas, moi je pense qu'il a très bien compris. Il a très bien compris, et que justement il a mis tout de suite des boucliers en place pour que les gens ne se saisissent pas du débat public. Une réaction peut-être également, François Bouleau mentionnait les questions européennes. C'est vrai que c'est un sujet qui nous tient à cœur dans cette émission. On a l'impression que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est quelque chose qui a été certes un peu abordé, mais pas tant que ça. Peut-être un sujet vu comme un peu obscur par les gens. Est-ce que c'est quelque chose qui préoccupe les Gilets jaunes? Alors, on a l'impression que pas tant que ça. On m'a déjà posé la question plusieurs fois et c'est pas mal revenu dans les assemblées citoyennes. La question de l'Europe, la question de François l'a dit de manière très polie et moi je l'ai dit différemment à une autre occasion, et je disais qu'effectivement quand on est chef d'État au sein de l'Union Européenne et surtout Macron depuis qu'il est élu, a souvent baissé son froc face à l'Allemagne. D'accord. Voilà, c'est comme ça que moi je l'ai défini, et effectivement il n'y a pas beaucoup de pouvoir de toute façon par rapport au président face aux décisions qui sont prises par l'Europe et principalement par l'Allemagne. Et je pense que quand on parlait tout à l'heure de pourquoi le RIC est arrivé sur la table et pourquoi il a été si fortement, intensément défendu, c'est par rapport à la douleur de 2005 et du référendum qui a été lorsque le non est arrivé majoritairement, il a été balayé du revers de la main par Sarkozy, qui l'a refait passer par la fenêtre via un traité. Donc du coup on se dit, voilà, est-ce que en tant que chef d'État on a vraiment déjà, est-ce qu'on on a la volonté d'écouter les citoyens lorsqu'ils ont une réponse apportée via un référendum? Est-ce qu'on a la volonté de les écouter tout court? Et est-ce que vraiment on est maître de nos décisions en tant que pays? Voilà, en tant que pays dans un corps qui est censé être une communauté où justement il y a une solidarité et puis des politiques qui se mettent en place pour que d'un point de vue économique on tienne la route. En fait non, on se rend compte que non, il n'y a pas de pouvoir. Le président baisse tout simplement son froc, moi c'est ce que je pense. Jacques Zapir, il y a quelques mois vous aviez signé avec justement Emmanuel Todd mais aussi des libéraux comme Jean-Jacques Rosa une tribune de Atlantico qui disait l'existence de l'euro est la première cause de la révolte des Gilets jaunes. Comment vous avez vu tout ceci? Est-ce que vous avez l'impression que votre travail depuis des années, il porte ses fruits? Ceci étant évidemment une question qui n'est pas du tout caricaturale. Je veux dire, il peut y avoir diverses réponses qui ne sont pas forcément les vôtres apportées par les gens. Mais est-ce que vous avez l'impression que les gens se saisissent de cette question? Je pense qu'il y a aujourd'hui une conscience qui devient de plus en plus claire du fait que, un, le cadre de l'Union européenne pose problème, et que, deuxièmement, et parce que c'est une question un petit peu différente, le fonctionnement de l'euro est en train et a étranglé l'économie française. Ce qui est très intéressant, c'est que même Emmanuel Macron l'a dit il y a deux semaines, il y a eu cette déclaration, l'euro a essentiellement avantagé l'économie allemande. Oui, on le sait, c'est d'ailleurs dans les chiffres, et aucun économiste ne le conteste. Alors, après, c'est toute la question. Est-ce que on peut, depuis le gouvernement, envisager une politique différente, une politique qui oblige d'une certaine manière l'Allemagne à changer, qui oblige nos partenaires à prendre en compte toute une série de choses qui se passent en France? Ou bien est-ce qu'il va falloir que ça arrive par le bas? Est-ce qu'il va falloir que ça arrive plutôt par un mouvement qui va, d'une certaine manière, faire exploser les cadres existants et qui va imposer, d'une certaine manière, ses objectifs, ses revendications? Bon, ça, ce n'est pas à moi de le dire, si vous voulez. Là, je suis en observateur de la situation politique, même si j'ai mes préférences. Je suis clairement en observateur de la situation politique. Par contre, je pense que le fait que quand des partis ou quand des mouvements
ont apporté leur soutien des Gilets jaunes. Le fait qu'ils n'ont pas apporté ce thème-là comme thème prioritaire dans leur discours, ça leur a causé, à eux, énormément de tort. Parce que réduire la question du soutien aux Gilets jaunes à la lutte contre la répression policière, même si cette répression, il faut le dire, elle a été absolument abominable, le nombre de gens qui ont été grièvement blessés est sans précédent en France. On rappelle les chiffres, 22 éborgnés, 5 personnes mutilées, 3000 condamnations prononcées pour faits de manifestation. C'est énorme, c'est beaucoup plus qu'en mai 68. Alors bon, on dira, oui, en mai 68, il y a eu des morts, mais il y a eu des morts dans des circonstances extrêmement particulières, et ces morts n'ont jamais été dans des manifestations. Hein, il faut bien le rappeler, le seul qui peut un petit peu se rapprocher, c'est le cas de Gilles Totin, qui est tombé dans la Seine à la suite d'une manifestation qui se faisait à Flins, et qui est mort noyé. Bon, mais il n'y a pas eu de morts dans les manifestations en France. Et là, on est bien. Alors, bien sûr, il fallait apporter le soutien au mouvement des Gilets jaunes sur ce point. Mais ça ne pouvait pas être le seul point sur lequel on apportait son soutien. Il fallait apporter son soutien aussi sur d'autres thèmes politiques. Et le fait de ne pas avoir, pour des raisons diverses suivant les organisations, suivant les mouvements, mais le fait de ne pas avoir fait de cette question du cadre européen et du cadre de l'euro un point central, eh bien je pense que certains l'ont payé très cher aux élections européennes, suivant mon regard. François Boulot, un mot pour finir. Bah, écoutez, peut-être simplement rappeler quel est l'idéal poursuivi par le mouvement, parce que quand j'ai écrit le livre, c'était principalement pour répondre à la propagande médiatique qui nous expliquait que le mouvement était violent, que les Gilets jaunes ils étaient racistes, ils étaient antisémites, ils étaient xénophobes. Enfin, de toute façon, ils ont eu le droit à tous les qualificatifs péjoratifs pour essayer de discréditer le mouvement. Et avec cette petite musique... C'était le cas de franges minoritaires marginales. Bien sûr, mais c'est l'effet de loupe, on vous parle que de ça. On vous parle pas de tous les débats politiques intéressants, constructifs qu'il peut y avoir. Je crois que moi, je suis parti de la phrase que j'ai beaucoup entendue sur les ronds-points, qui disait sur les ronds-points, on a retrouvé la fraternité et désormais, on va aller reconquérir la liberté et l'égalité. Bon, je trouve cette phrase absolument magnifique parce qu'on en revient à la devise nationale de la République et derrière ça, c'est l'idée qu'on vous demande de poursuivre l'intérêt général. Arrêtez, vous nous avez trahis, vous poursuivez des intérêts particuliers privilégiés. Maintenant, ça suffit. On tient à la République et la référence qui a été donnée sur les ronds-points au bout de quelques jours, c'était 1789. Et donc, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, la révolution, elle est faite dans les esprits depuis le 17 novembre 2018 pour toutes les personnes qui se sont mobilisées. Je ne connais pas un seul gilet jaune qui soit rentré chez lui convaincu par les mesures qu'a pris Emmanuel Macron. Et donc, vous avez un avant et un après. Vous avez des gens qui se sont transformés à jamais. Ça, c'est certain. Et donc, et le mouvement va continuer à s'amplifier dans les semaines et les mois à venir parce que cette politique, si vous voulez, pour chacun, dès que la ligne jaune est franchie, c'est-à-dire que dès que ses besoins primaires ne sont plus remplis, alors il redresse la tête, il se met en mouvement et il se met dans le combat. Et dans le combat, votre niveau de conscience, il progresse à une vitesse absolument fulgurante. Président Ludowski, un mot pour finir, retrouver la fraternité, nous dit François Boulot. Oui, c'est sûr que le mouvement a permis de mettre en lumière tout ça, de tous les dysfonctionnements, et de retrouver une solidarité qu'on avait, je pense, perdue, par gêne de sa situation personnelle, par manque de temps, par peut-être honte pour certains, et c'est ce qui s'est exprimé sur les ronds-points, c'est le fait de pouvoir partager les choses, se rendre compte que finalement on est tous concernés par la même chose sur tout ça, parce que je pense que le gouvernement travaille depuis des années à diviser les profils, la province contre l'île Paris, les banlieues contre le reste du monde. Les enfin, vieux voilà. Contre les jeunes. Exactement, les corps de métier aussi, les uns vis-à-vis des autres, et donc du coup, tout ce qui s'est passé en ce moment, c'est que les connexions se sont faites. Et en fait, là où je rejoins François, c'est qu'elles se sont faites pour toujours, j'ai envie de dire. Les connexions sont faites, les projets sont en route et ce sont des projets qui vont durer. Et peut-être pas sous la forme de manifestations, mais ce sont des projets qui vont durer et faire avancer les choses.
Merci, merci infiniment à vous deux, Priscilla Ludowski, le lobby citoyen, François Boulot, La Ligne Jaune, un livre, une plateforme. On vous retrouve donc sur ces divers outils en ligne. Merci infiniment à vous deux d'être passés par chez nous aujourd'hui. Merci, merci, merci à vous. Jacques Sapir et à vous, amis auditeurs. Comme toujours, vous retrouvez cette émission à la fois en son et en images. En son, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne jamais manquer un épisode. Et en vidéo, c'est toujours sur la chaîne YouTube de Spoutnik France. Tous les détails sur fr.sputniknews.com. À la technique aujourd'hui, Pipo Pichi, Thibaut Pica, ainsi que le docteur Fowler. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Russe Europe Express avec Jacques Sapir. Et d'ici là, faut-il le préciser, faites pas vos Jacques. Salutations. This is a provocation. Let them do. No. No. No.